ce soir, c'est Planète Rap Lorenzo. Bienvenue, on est en direct et il est de retour dans ce studio. Le décor est pas fini, mais le bar est ouvert. Ouais, c'est ça, on a monté un bar à Skyrock là. Pour bien stiser la gueule au calme. J'ai pensé à toi, Fred. Je sais que t'aimes bien quand je te paye des coups à la radio. Quoi. Donc là, c'est Lolo et Rico qui régalent. Oui. La déco n'est pas finie pour le Planète Rap de Lorenzo. Vous pouvez mater les images. On fait un gros aqua, c'est que de l'eau partout. C'est l'aqua Skyrock. C'est fou, on va pouvoir. Est-ce qu'on va pouvoir plonger dedans directement? Il y a moyen. Après quelques verres. Et toi, t'as pas ce qu'on t'a donné. On se le dira jamais. J'ai pas les couilles. J'avoue, le temps passe vite. Entre nous, pas. Eh, hey, tout le monde a roulé parce que le zap commence. Affaire Rico. Ouais. C'est quoi, on sent que le bordel là. Le robot. Le robot il est pas centré, gros. Putain, casse les couilles là. Vas-y. Encore. Ah. Encore. Ah. T'as un poil de linge, gros, un tout petit peu encore là. Ah, t'es gros, tu l'as trop fait là. Eh, c'est bon là. Ça refait un petit coup de l'autre côté, minuscule. Ah, là, tu vois, non, t'es putain, t'as dépassé la ligne. Oui. Tu vois, t'as capté. Putain, avec les tours, ça tombe, quoi. Là, ça c'est les lampes. Faut que je redémonte les lasers et les trucs à fumer, gros. Ouais. Attends, fais-moi faire un tour sur ta tête, gros. T'es sûr, gros? Oh, Dieu. Voilà, les éclairages, gros, c'est ces armes équipées, fais attention, gros. Bah, les couilles, mon gars. Allez. C'est ça, à chaque fois, je galère à le mettre, gros. Ça, il faut le mettre juste là, gros. Hop. Putain, gros, il y avait la clé de dose, c'était qu'il fallait que tu ramènes mon pote. Attends. Venez, mon gars. Attends, ça commence à ressembler à quelque chose, gros. Démarre, j'ai la caméra. Ça c'est l'attirail. Hop là. Regarde ça. Allez, ça, mon pote. Je mets ça ici, là. Ouais, vas-y. On va tester le matériel, gros, directement, si c'est bien mis. Tiens bien, gros. Ce programme vous est présenté par le cannabis. Voilà, et ça, petite astuce là. À chaque fois que je suis là en train de biber dans la street, les mecs ils me donnent des billets comme ça. Moi ça me galère, gros, parce qu'après je les rajoute. Je fais, gros, je suis là, j'ai ma petite banane, mais tes mains, elle est déjà pleine à craquer, gros. T'es là, je l'ai mis dedans, mais j'ai plus de place. Après, c'est plus dur à déclarer, gros. Il me faudrait peut-être un sac de randonnée, mon pote. C'est là maintenant. Hop, Lolo il prend la carte bancaire, mon gars, ramène la photo. Les petites cartes, les Mastercard, les Black Card, les Gold Card, tout, t'es là, poteau, t'es là, t'arrives. Je tape juste le billet 20 balles, je te fais même ton ticket de caisse. Et t'es ma salle, mon gars, je suis posté sur mes trucs, mon gars. Personne là. Hé hey hey, tu veux de la C ou pas, mon gars? Eh, hey, viens là. Viens là, mon gars. Il y aura bientôt autant de zaps plus que d'Harry Potter. Allô? Pendant qu'on finit ce décor, enfin, je sais pas si on aura fini pour 21h le décor. Ça en finira demain. Je sais pas, chapeau, tu veux une petite trace de C pour enchaîner? Non, c'est encore moins. Tu connais, hein. Un truc du Cameroun, mon gars, ça t'éclate la glotte. Tommy Cash et Vladimir Cauchemar. Oh! Eh oui, parce que ce soir, hein, c'est l'anniversaire du poteau Zarma, mon gars. Zarma? Elle était frais, mec. C'est un cake au shit. Il vient du Maroc, tu vas te casser la gueule. Tu sais, c'est la peu froid là. Bien, fais un peu. Pour ton anniversaire, tu sais. T'as fait le vœu? Voilà, bravo. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Bravo. Le pote. L'anniversaire de Zarma. Rico, calme là, tu fais. On arrive sur un morceau qui s'appelle Nick là-bas. Ah, c'est un morceau de Gredin. Et ça, c'est bon. Et je suis aussi obligé de rappeler, puisqu'on est mais sur antenne sur Free Rock. C'est les forces de l'ordre, casse les couilles. Évidemment, non. Le système français est corrompu, ma mène. Parce que moi, je suis là, je sors un clip Nick là-bas. Bah, mais moins de 18 ans, censuré deux jours après, gros. J'ai vu. C'est quoi ça? Bah ouais. Le jour où j'arrive à YouTube en claquant, ils vont moins rigoler. Sans blague. Si t'as pas bougé la tête dans ta voiture, c'est soit t'es handicapé, soit t'es. C'est qu'il avait la bague derrière lui. Que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ouais. Et qu'après on rentre à pied. Mais le mon Fred. Quoi, tu mytho, Fred? Fred, ses meilleures interviews, il est fait bourré, gros. Mon portrait remplacé de Mona Lisa. Dans mon gobelet. Non, oh là là, j'ai trop bu, elle me. Hey, pétaca. J'vends du shit de toutes les couleurs. Comme les Power Rangers. Des bénisses de toutes les couleurs. Eh ouais, si on n'est pas lentement donné, faut pas applaudir, faut gueuler. Et hop là, ça c'est du zap.
suis pas sûr que c'est la pièce là, la grosse. Si, c'est celle-là, c'est celle-là. Ah non, c'est comme ça. C'est comme ça. Attends. Ah, si, c'est, prends ça. Normalement, on a pas un autre paille, gros. Non, mais non, c'est ça, rien. Ah, ça m'a évacué, la gros. On a perdu la pièce là. On s'en fout, vas-y, c'est pas des couilles, mon gars. Non, t'es ma gros, elle est là-bas, gros. Toute une affaire de l'organisation de monter un spectacle, gros. Mais faut que tu gères tes trucs là-bas, mon gars, faut que je mette ça. Non, c'était là, c'était avec le bonbon, gros, tu tenais le bonbon. C'est là, il reste plus qu'à visser, mon pote. Attends, je vais prendre du scotch. Après, vas-y, la flemme, gros. Prends le orange ou le rose? Ah, du rose, le Tesco rose, gros. Vas-y, elle va plus vite que mettre des vis. À chaque fois, mettre les vis, tu mets les vis, après, il faut te visser, gros. Ça va bien finir, gros. Hop. Les gens, en fait, il faut que l'illusion ait marre que les gens aient croisé des vis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois de ouf. Fais tour en entre. Attends, non, Rico. Hein? Ah merde. Ouais, après je peux plus sortir. Allez, désolé. Coche ça, tu le fais, bon. Elle n'est plus ni connue, mon pote. Vas-y, voilà. Voilà, les éclairages. Putain, Rico, c'est une tout, galère, gros. Donne-moi un pot de coche. T'as fait une salope texte, mon pote. Tu peux bien la claquer, je le sais. Voilà. Ouais, c'est bon, là. De face, ça se verra pas que ça décale, ouais. Zéro. Franchement, Rico, c'était du rapide. Hein. Ouais, c'est propre, en vrai. Hein. Ça fait plaisir. Hop, celui-là, il peut ne pas servir. Quoi. Voilà. Et ça, il faut le brancher à quoi? Hein? Ça sert à quoi, ça? Ça? Je branche à quoi, genre? Ouais, gros. Je crois que c'était une rallonge, gros, calée jusqu'à ton cockpit, là. C'était pour ta douille électrique. Ah, tu penses? Ouais, ton bang électrique, il est en 220, mon pote. Il faut le brancher sur une prise comme as. Vas-y, hein. Il est lourd. Ah ouais, qualité, le zap. Dans le prochain zap, faudra mettre la vidéo de Rico qui dresse des sangliers. Oh. Eh, Sarma, tu t'es enfumé, l'artiste, là, gros, là. C'est que t'es quelques battes ici, mon gars. Tu fais retour ou pas, là? Tiens, mon gars. Je crois que t'as assez poussé comme ça, gros. J'en ai ramené un, mon gars, tu vas voir qualité, celui-là. Eh, t'es moi je vois même pas Sarma d'ici, gros. Sarma? Ah, t'es là, gros. T'as bien fumé, en fait, t'as forcé, hein. C'est ta maquette, ça, gros? Ouais, man, écoute, Zarma. Ça, c'est le prochain avec deux armes, gros. Ça décapite, mon gars. J'ai pas encore fumé, j'ai déjà défoncé, mon gars. Mais sans trop pousser dans le rêve. Promets-moi de rester, hey. Promets-moi de rester. Mais ça, c'est qualité, gros. Les mises, ça vont mouiller, ça, c'est sûr, gros. Une galerie audiovisuelle de choix. Promets-moi de rester, promets-moi de rester, 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 rester.
Vas-y mon gars, balance le flow. Attends, faudrait plus de vitesse, gros. Eh Lola, fais-nous un trick de ouf là. Vas-y, saute à coup. Aga. 30 minutes de zap, tu vas avoir le temps d'en fumer deux ou trois. Ça va les men? Ouais. Vous êtes prêts pour ça? Ouais. À tout Zarma. Ben voilà, là on va aller voir les couchettes Zarma. C'est quand on en a trop pris, on vient ici pour se reposer. Ça c'est une petite couchette que... comme il y en a plein d'autres, mais on les utilise pas toutes parce qu'on est que trois ici Zarma. Vas-y viens par là, viens pas. Et là men, je vais te présenter ma couchette Zarma. T'es marre la déco Zarma. Elle est qualité men. Là j'ai tout ce qu'il faut, j'ai le petit truc pour les smoothies juste ici. Le petit ventilateur pour être bien au frais quand t'es high, tu vois, ça fait du bien le vent un peu. Entends ce petit air là, tu vois. T'entends? Ça c'est qualité Zarma. Là j'ai des petites machines à panini. Comme ça quand t'es à la fonce high, tu vois, tu peux manger un peu, ça fait du bien. Je vais te montrer un petit peu comment je me pose dans ma couchette le soir. Tu vas kiffer Zarma. Man! Là tu vois, le soir j'arrive, posé, je suis bien high déjà pour commencer. Je me sers un petit coca déjà d'entrée pour être bien à l'aise, tu comprends? Oh man. Après, je tire une grosse taf. Quand je vois tous ces ricos autour de moi, quand je fume le soir, j'ai l'impression qu'ils veillent sur mon high à mes côtés. Ça fait toujours plaisir Zarma. J'ai tout ce qu'il faut, là j'ai même le petit briquet qui dépanne, tu vois. C'est genre un allume-cigare un peu Zarma, tu vois. En mode téléphone. Tu vois, le soir quand je suis trop foncé et que j'ai envie d'aller me coucher, je décolle tout ça, tu vois. Je prends le rideau là et je l'amène comme ça. Et puis là je peux commencer à m'allonger. Comme dans un cercueil Zarma. Tu comprends? Et sans oreiller, sans rien, hein. Parce que c'est meilleur pour le dos. C'est aussi là que je roule mes petits high Zarma. Tu comprends? Ça fait bien kiffer. Par contre, l'inconvénient de rouler ici dans le tourbus, c'est que ça met du tabac un peu partout. Mais comme ça, on n'est jamais à l'abri de trouver un petit peu de tabac pour rouler son high. Man! I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. Je monte vraiment en faire chaud mon pote, tu commences à avoir des allures à moitié. Tout à l'heure je regardais juste là, t'es mal là. Et j'ai cru qu'il y avait de l'eau. C'est comme des canards, une oasis, c'est tout. C'est tout est bien qui finit bien mon pote. Il y a déjà, ils m'ont reconnu dans le désert, ils m'ont invité à prendre un petit alaouid. Comment ça? L'accueil hospitalier mon ami. Voilà, ça, ça fait plaisir. Et petite rectification, en fait c'était pas un thé alaouid mon gars. Non, c'était un thé au hashish. Un thé, j'étais pas compris. Il m'a dit le thé au hashish, j'étais le chet. Il m'a dit le chet gros. Ha. C'est la grotte, t'imagines même pas comment je suis éclaté mon gars. C'est... je suis au bout de ma lèvre gros. C'est comme si j'avais fumé toute la journée sans m'arrêter gros. C'est comme si le shit était en transfusion dans mon sang en direct. Alors gros, j'ai parlé avec les chameaux. C'est ouais, j'étais là avec des chameaux et je comprenais mieux les chameaux que le monsieur gros. Et c'est les chameaux, il m'a regardé, il m'a fait... ouais. Sans plus attendre. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le prince de Belherbe, l'homme le plus frais de l'Ouest. J'ai bien nommé... N'oubliez jamais que la vérité sort de la bouche des drogués. Ce soir, 5 jours de tease intensive, mon gars. Moi, je t'avoue, je suis un peu éclate sur les bords, tu vois. Ah, ça. Il y a Tarpin du Monde sur Horace qui te suivra en plus, c'est tombé. Il y a Tarpin du Monde? Des tapins, ouais. Dédé. Et les messages ont dit c'est un chihuahua, ce chien que tu as retrouvé abandonné hier soir. Ça, c'est un chihuahua brésilien. Moi, mon cœur aurait aimé que ça soit un pitbull nain, mais c'est sûrement un chihuahua. Peut-être. Et là, depuis, il est frais, tu sais. Les gens, il est frais. Le chien, il a l'air défoncé. Ouais, le chien, il est porte un bon height. Le chien, il est dans le high, gros. Il comprend bien. Ah, ça sent le bon shit, là, d'un coup. En tout cas. Tu vois ça? Vas-y, bah, j'ai pris une petite trace dessus, je vais voir. Arrête avec ça. C'est dangereux pour la santé. Mais non, pourquoi tu mets tout, Fred? Ouais, mais lui, il est tombé dedans quand il était petit, Fred. Oh là là, quelqu'un vient d'arriver dans le studio. C'est Russ, gros. Ah, mais c'est lui, Russ. Mais oui, il a tamponné la caisse devant, mais qu'on a galéré. Tout droit de Belgique m'amène Russ le show. J'ai l'impression qu'il arrive d'Hawaï, en fait, plutôt que de Belgique, non? Il est en vacances éternelles, le Russ. Toujours très armé. Et c'est commence.
Qui c'est qui vient de pousser ce cri? Ah, c'est toi, Rico? Hein? C'est toi, bien ça. Alors, mais une forêt en particulier? Non, pas une forêt en particulier. J'aime bien toutes les forêts. Toutes les forêts, tous les types d'arbres, tous les animaux, tout. J'aime bien. Ce genre de verdure, ça, mec. Si, alors, on a un petit problème avec notre ami qu'on a eu il y a quelques minutes en ligne, Assia. Vous vous souvenez de Besançon? Ouais. Alors, est-ce qu'il paraît, il y a le livreur qui est à la porte, qui frappe et elle n'ouvre pas la porte? Ah, ouais. Faut défoncer la porte, c'est tout. C'est... Faut leur apprendre leur métier, c'est une classe. Donc, c'est un est-ce qu'on peut peut-être essayer de la rappeler juste avant que tu passes au live? J'ai fait Rico, elle va s'en occuper. Rico, tu t'en occupes? Messagerie Orange. Et... Laisse un message, Rico. Est disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Il y a le bip, hein, Rico. Elle ah. Ok, coupé. Qui ça pousse de... le hang. Nique la bague, la vie de ma mère, la douane est due. Ce breuvage est doux comme le Christ. Voilà. C'est comme si les apôtres dansaient sur tes papilles. Sur des papilles, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Exactement. C'est vrai que c'est pas mal ça. Bah alors t'as la dalle gros. On va te péter un petit grec mon gars. Mais bien sûr qu'on va te péter un petit grec, Hugo. Maurice, il est en train de préparer ton bap, quel artiste. Et tu fais quoi, gros? Hey, bonsoir, c'est Marc Lavoine. Je voudrais un petit sanglier braisé aux herbes fines avec un petit peu de cocaïne sur la saumon, s'il vous plaît. Arrête de la sanglier. Tiens. Il est bec, mon gars. Il est bec. Allô? Ouais, c'est l'artiste international de la chambre 229. Je vais juste vous dire que ça rappe ici. Attends, j'appelle les pompiers là, gros. Ça sonne. Va voir, ça sonne. Va voir, attends, ça sonne. Attends, ça sonne. Hey, bonsoir. Et je me suis pété la gueule dans l'escalier avec le genou ouvrier et sa mère, tu vois. Et y'a moyen de venir m'aider, s'il vous plaît, parce que je me suis pété la gueule là, j'ai pas bien, tu vois. Appelle-la. Attends, c'est la belle gueule, attends, c'est la belle Lorenzo, on a dit minimum 50 000. Te fous pas de ma gueule, Zarin. T'as pas de me faire à l'envers. Ouais. Bah vas-y, bah tu me rappelles dès que tu sais ça, ok? Vas-y. Reste prêt. Les apps du sale sur Netflix, ça serait pépite, mon pote. Hey, mais... Ça va, gros. Tranquille ou quoi, Zarin? Ça va. Hey, t'es prêt pour les petits réglages de son ou quoi? Attends, dis-moi, là, je suis en train de développer de nouveaux bails là. Fais-moi voir, man. Ah, qualité, Zarin. Toi, Rico, t'es prêt, Zarin, ou quoi? On va faire les petits réglages son. Ouais, je suis chaud. Tu veux que je te fasse un test de comment, Zarin? Dis-moi un petit peu, gros. Vas-y, là, vas-y, je fais un petit texte vite fait, là, qu'on voit tout ce que ça donne, Zarin. Ouais, c'est. Un gros, ça grésille en mode comme s'il y avait une mouche dans le micro, Mathé, gros. Moi, je trouve que ça rajoute un petit cachet, Zarin. Ah, ouais, non, moi, je trouve ça chelou, gros. C'est comme s'il y avait des parasites, comme si c'était un concert de Canal Plus encrypté, Mathé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais moi j'ai déjà regardé Canal+ à l'ancienne, c'était frais quand c'était crypté, man. J'arrivais toujours à capter, Zarin. Que je diminue juste un peu la voix, man, et que je laisse le truc comme ça, tu vas voir, ça va être crème, Zarin. Ouais, mais gros, ça crépite comme quand t'as laissé une graine dans ton linge, tu vois ce que je veux dire ou pas? Vas-y, man, fais un petit test, Zarin. Ouais, gros, la terre trop fumée, la banquette trop, Zarin, qu'est-ce que tu veux, là? Oh, man, j'en ai peut-être trop pris, man. Non, moi, t'as un bouton sur la gauche, là. Ah, non, je crois que c'est bon, vas-y, test. C'est le bouton sur l'autre gauche, gros. L'autre gauche, t'es dit, gros. Là, comme ça, Zarin. Eh, Zarin, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est comme si ton micro, il était mieux réglé que le nôtre, à moitié, là. Le micro, il est imbibé de high, man. Oh, mais... Ça, je te monte un petit peu, là, Zarin. Attends, je vais faire un petit test. Ouais, tu vois, quand j'ai lâché le truc, et ben 4 secondes après la fin de ma voix, on entend encore la voix dans la salle, ça c'est bon signe, ça veut dire que c'est pépite, gros. Ça c'est
Bien joué, Zarma. J'ai trouvé un bête de réglage, mon gars. En gros, tu vois, genre, j'ai appuyé comme ça sur ces deux petits boutons là, tu vois, comme ça, Zarma. Et en gros, ça me fait des pré-réglages un peu, tu vois, qui sauvegardent tout ce que j'avais fait avant, tu vois. Après, j'appuie ici, mon gars, et tac. C'est le mode Vegas en gros, ça, mon gars, tu vois. Genre, ça se fait automatiquement, ça sauvegarde tous les pré-réglages que j'ai pu faire avant. Comme ça, pour le show, je peux vraiment jongler entre les deux, tu vois. C'est vraiment propre, Zarma. Et on va faire les lumières maintenant, Zarma. Vas-y, gros. Les jeux seront bien chauds, mon gars, pour leur mettre du genre comme ça, tu vois. Ah ouais. Vas-y, on fait grosse trombostock dans la gueule, gros. Ça fait bien les jeux, Zarma. Après, quand les jeux seront bien chauds et qu'on voudra la faire partir en couille, même, on pourra faire ça, mec. J'appelle ça l'enfer. C'était pas mal, gros. Du moment qu'ils sont avec, c'est parfait. Tu vois qu'on se comprend avec ses frères, Zarma. Mais ouais, mon gars, c'est pas facile tous les jours, Zarma. Mais bon, moi maintenant, j'ai appris à utiliser les deux machines. On avait engagé un mec une fois pour le son et tout, mais il mettait que des effets de merde, c'était pas frais, Zarma. Au moins là, c'est carré, tu vois. À toutes les soirées, obligé pour taper ma forme. Fais main sur le fait d'une notice pour porter des chansons. Fais ma forme, fais ma forme. Pas l'air du monde au balcon. À toutes les soirées, obligé pour taper ma forme. Et ça partait pour un tour, pote. Souvent je me demande, et pourquoi on existe? Est-ce que c'est pour aider son prochain? Peut-être pour trouver l'amour? Ou peut-être il faut être quelqu'un en qui on peut avoir confiance? La joie est une vertu, mais le plaisir est coupable. Il faut toujours donner le meilleur de soi-même et penser aux autres avant tout. Savoir rester positif et dormir sur ses deux oreilles. Ou sinon, c'est juste qu'il faut se défoncer la gueule. J'étais pas sans savoir que mon album il était vlaxi tant d'ouf gros. Mais j'avais prévu le coup, t'as ma ça. C'est sur l'édition de la Fnac là. J'ai mis une petite capote personnalisée dedans ça. Ah ça, ça fait plaisir. Chapeau l'artiste. Allez, roule jeunesse. Ça me remet bien, ça me remet d'attaque juste avant le prochain son. Je massage toute la chevelue, man. Un plaisir, man. C'est bon, c'est bien. Ouais, t'inquiète, encore une petite tape là. Pour la fin, Zarma. Allez, on va falloir y aller. Je te sens bien. Voilà, t'as tout ce qu'il fallait. Ça fait bien. C'est bien, Zarma. T'inquiète, Zarma. Assure, Bruto. Le zap du sale, c'est que du doux, que du sucré. Ce soir, on va en fumer des longs comme d'habitude, mais sinon... C'est genre... C'est une odeur. On fait tourner l'artiste. Lance-le, voilà. Lance-le. Et on se fait deux heures ce soir, moi je suis chaud. Ouais, de ouf, je commence à être rebou, j'appelle moi. Et tu sais ce qu'il manque, Fred, dans le studio? Il manque des petits canapés calerie, tu vois. Ah, ça serait intense. Ces petits canapés, ouais, tu sais, calé, tu vois. Des tapins. Le bar est ouvert. Zarma, ça va? Ça dit quoi la boîte? Régisseur, ah, oui, bien vidé là. Ah, la boîte elle est vide hein. C'est que t'es le milieu de la semaine, mais ça va après. Un mélange, je crois. Ah bah t'es frais. La petite boîte à pied, mon gars. Zarma? Ouais, il est frais, mon pote. Il est super frais, il est toujours défoncé. Toujours un plaisir. Regardez ses yeux. Il est vraiment dans le. T'en prends une petite trace. C'est lui qui a gagné, tu sais. Attends, c'est bon, il va pas avoir le grec. Tu peux l'ouvrir en direct, s'il te plaît?
Eh, tout se passe, attends. Ah, ça va. Ah, ouais, il est bien, servi en plus, hein. Eh, mais toi, tu sais qu'en plus. Eh, merde, non, mon micro, le ketchup. Rico. Allez, fouille. Tiens, lèche-le, Fred. Merci. Non, c'est des bonnes frites de patates, ça. Ça, c'est. Zarma. Demain, on en fera gagner un autre, t'inquiète. Vous avez bien mal. Il y a plein de gens qui ont faim. Eh ben, je dois pisser au cul, mon gars, c'est mon cas grec. Voilà. Tu t'appelles comment? C'est moi qui pose la question d'abord. Maxime. Ça va, Maxime? Tu t'appelles comment, Maxime? C'est bon? Ouais, j'ai mangé tout. A, alors, tu sais, c'est là où je vois que t'as aussi percé, Rico. C'est incroyable. Il y a des gens qui veulent acheter ton grec, même consommé, en laissant juste. Tu laisses juste écro. Tu laisses juste écro. On vous laisse le pain mouillé, gros. Ils ont ça à 10 balles. Combien, 10 balles, ça? Enchère à 10 balles. On va voir ce que ça dit après. Ah, enchère à 10 balles. Eh, mettez votre offre et après, vous mettez votre numéro de carte bleue avec le cryptogramme après, s'il vous plaît. Exact. Un gros pétard. Allez, on va mettre un morceau d'ailleurs pour qui va faire plaisir à tout le monde. Un petit moment d'aération. Surtout, hésite peu, mon gars. Hésite surtout peu, mon gars. Pour le kebab, là, il y a un mec qui a fait un don de 100 euros. C'est pas à vrai. Skyrock. Ouais. On vous laisse la boîte, vous envoyez à ce mec qui a donné les 100 balles à Skyrock, vous lui donnez ça, la boîte à Rico. On peut filer un album aussi à Ethan. Ouais, fort, mets-lui un Attends, album. Deux secondes. Il mérite. Voilà, c'est bon. Pour. Et tu mets Ethan. E-T-H-A-N. E-T-H-A-N. H-A-N. A-A-A, gros. N. N. Comment le N? C'est le, comme ça, le demi-euro, mais dans l'autre sens. Ah oui. Roulette, mon gars! Par contre, son CD, je l'ouvre. Parce que sinon, je peux pas le. Ah oui, bah oui, sinon, sur le polystyrène. Ah, moi, par contre, j'ai un problème avec les CD, je comprends pas comment frotte je. Le, frotte-le sur la table. Non, mais pas comme ça, par la rangée, là. Enfin, par le. Par... Éteins tes mains, prends soin de ton album. Voilà, il faut le plier, comme ça. Hein faut le plier. Plie-le. Prends-le, le plie comme ça. Ouais, gros, tiens, j'ai bavé partout dessus là. Ouais, quoi, t'inquiète. C'est le fond de truc, c'est bon. Après, c'est bon. Non, mais avec Zarma, on se casse le cul à faire des vrais emballages. Toi, t'es qu'à la tour, gros. Donne-le. Il va couler la boîte à Zarma. Voilà. Oh putain, beau gosse. Ah bah voilà, on a enfin réussi à enlever le cellophane. Ah merde. Mais c'est pas grave. Il vient de se casser. Comme je dis depuis lundi, c'est l'intention qui compte, l'équipe. Il y a un pet qui arrive aussi. Alors, c'est chaud, c'est. Ah là je crois qu'on a du haut niveau là. Ah il fait du ça, il fait des gags et tout mon gars. C'est ça mon gars. Lui mon gars, pas besoin de manger Philippine, on l'a déjà fait. C'est... Qui sont tous ces gens? Mais c'est tous les drogués de France qu'appellent. Eh gros, pas folle la guêpe, j'ai découvert en fait sur internet que les animaux ils peuvent pas attraper le coronavirus gros. Donc moi, même pendant le confinement, ça fait les livraisons gros, tellement ça. Je suis là, je suis avec l'artiste. Hop là, ça c'est mon livreur à domicile gros. On est là, la semence elle est juste ici. Hop. Ça désinfecte un coup avant d'envoyer tout ça, gros. Ensuite, on vient placer la substance chez l'artiste Yinche. Hop là. Toi, écoute-moi, gros, l'artiste, tes mains. Si tu passes à côté de chez Momo, après tu prends direct à gauche. Mais là, tu te trompes pas parce que l'autre fois, tu t'es trompé. Et là, après, voilà, juste à côté de chez Damien, en tirant en qui, tu prends à droite, gros. Et ça, je te laisse 20 minutes. Mais franchement, fais vite, hein. Fais vite parce que à chaque fois, il galère. Et ça, c'est une affaire qui roule, gros. Eh, gros. Ouais, man. T'as pas vu Rico, gros? Ah non, je l'ai pas vu, man. Tu lui donneras ça, je te vois, gros. Ça roule, man. Ouais. Rico. Ouais. Viens prendre le hein. Oh, t'es là, man. Oh, man. Si bien, mon gars. Ah, t'es présent, moi. Montre le truc avec le torsade. Eh, t'es mal à torsade, mon gars. Prends le type comme ça, tu fais. Ah ouais, ça enchaîne. On n'est pas avec le dos de la cuillère mort. Elle fait de quoi l'équipe, mon gars? FDR, elle est dans là. Ça va, man, ou pas? Ça va ou quoi? Tu fais quoi, man? Tranquille. Bah, je fais ma petite hein. Tu roules un petit hein, tranquillement. Tu fais ma petite hein. Vas-y, je suis chaud, un petit lap. C'est bien, tu mets ça, mon gars. Prends-moi ça, Zarma. Bien, tu mets ça. Tu fais quoi, toi, en fait? Bah, tranquille, là, je prends le hey. J'ai mon petit coca. Ah, il faut que je te montre ma couchette, mon gars. T'aimes ça? Vas-y, man. Ça, c'est la calerie, mon gars. Eh, je te cale un petit son, tu vas kiffer ta daronne, mon gars. T'aimes ça? Ah, un petit son qui cale, mon gars. Calerie! Attends, je vais jarter mes couteaux. Sa mère, mon gars. La petite couette, mon gars, en peau de renard, mon gars. T'es mal à la calerie, mon gars. En gros, j'ai Rodka, une petite enceinte au concert dernier. Et j'en ai pris deux. Genre, un sous la teuté, un sous l'yep. En mode, tu sais, là, c'est la position relevée. En mode, le son, il est frais, de ouf et tout, tu vois. En vrai, mec, elle a tellement de basses, ça te remet les os en face, mon gars. Direct, mon gars, c'était des ouf, mon gars. Et truc de ouf aussi, mon gars. J'ai Rodka, des lumières à la fête foraine de Besançon. En mode, disco calerie et tout, dans la dinguerie, de ouf, mon gars. Et le petit pétou calerie, claquage de dé, validé, fort, tu vois. Et là, ça, c'est les trucs pour les branchements. En fait, c'est le il m'a dit, il y a un vrai bail, mon gars. En gros, je suis branché de l'enceinte là. Au truc là, et là je suis au volume à fond, tu vois, à 100. Sauf que du coup, quand je vois là-dedans, je peux encore monter le volume de 100%. Du coup, ça fait un truc de 200%, mon gars. C'est de ouf qualité. Ah,
Ah, casse les couilles, mon gars. C'est mon réveil dès le matin. Je me mets grosse cartouche de son, mon gars. Attends, péter la glotte, mon gars. Ici, c'est avec les vibrations et tout. C'est kiné garanti à chaque son, mon gars. Voilà, mon gars, calerie, hein. Ça, c'est la peau de pelette et Vela CC. Ça, c'est du bois d'arbre. Et voilà, canapé calerie, mon gars. Vas-y, me rouler un pet, moi. Russia World Cup Asia 地区最終予選最後の戦いサウジアラビア対日本 前半長友のクリア後半の立ち上がりいきなり日本はピンチを迎えました。決勝ゴールとなり高いボールが入ってきたヘディングショット。どうだ。 C'est l'équipe, je vous ai fait un petit GPS personnalisé, c'est pour quand vous partez en vacances cet été-là. C'est écoutez-moi ça. Dans 200 mètres, au rond-point, prends la première sortie. Faut que tu fasses demi-tour, tu casses les couilles. Ah ça va, gros. Casse les couilles, GPS là. Oh là, fais gaffe, y'a des keufs qui sont en train de contrôler au radar là-bas. Tu vas avoir le temps d'enrouler un petit, y'a des embouteillages après. Y'en a un qui a trop fumé, y'a un accident pas très loin là. Et voilà, t'es arrivé l'artiste, tu vas pouvoir t'enrouler un long. 前半の戦い方考えると中山さん落ち着かせるところとカウンターに行くところ前線から追いかけていくところ途中出場のそのファハードがボールを持って左サイドから中へのボール持っていきました。長友のクリア行ってますからね。ここはピンチになる。1人壊されました。キーパーと1対1。 Les Condés ils vont très mal zapper, ils vont briller des yoku, mon pote. Ce soir, c'est reparti en tournée? Ouais, bientôt, gros, ça reprend milieu octobre. On joue à Nantes mi-octobre, gros. Donc mi-octobre, il y a aussi, excuse-moi, un peu perturbé. Tu les fonces des. Non, mais c'est le 30 janvier. Du coup, on s'embête tous, ce que ça veut dire, se casser la gotte, mon gars, hein, en mode grillage. Non, le 30 janvier, c'est l'Olympia, gros. Le 30 janvier, on fait l'Olympia. Attends, excusez-moi. Pardon, messieurs, on est en direct, messieurs. Hein. Ouais, mais là, il va falloir couper les micros. Non, on finit dans 5 minutes, messieurs. Attendez. Bon, ben, on va conclure l'émission. C'est la première fois, hein, que ça se passe dans Planète Rap. Arrestation en direct. C'est la dernière coche. Oh! Eh oui! T'as pris une petite trace. Qu'est-ce que t'as goûté, le shit? Il vient du Maroc, tu vas te casser la gueule, tu sais, c'est la peu froid là. Je descendrai par terre. T'as kiffé ou pas la petite CC que je t'ai envoyée hier soir? Quand on y réfléchit, et quoi, ça veut dire qu'il y a tes empreintes digitales là-dessus, donc ça veut dire qu'un tueur en série il achète ça à bas prix, puis après il prend les empreintes, il les met sur le lieu du crime, et c'est toi qui fais incriminer pourtant. Zorma. Là je suis. En plus on déconnait bien, on était là en train de. On était bien dans le high, on kiffait bien. On plaisantait. Et qui arrive? Oh là là! C'est qui, Lolo? Tu peux nous présenter, s'il te plaît? Bonjour, Zama. C'est ce soir. En fait, non, mais j'avais une soirée avec Marco. Ouais, parce qu'il y a deux filles magnifiques. Moi, faut y aller, il n'y a pas le temps, il attend. Non, mais désolé, gros. Mais parle avec Zama, t'en fais un petit d'un examen. S'il te plaît, juste le gros, une soirée, Marc Dorcel. Bisous, Skyrock, merci pour tout. Et là, t'y vas? T'es sérieux, t'y vas? Non, mais il est sérieux. Non, mais t'es sérieux? Reste là, il faut que